les frelons et les mouches à miel fable xxi a l'œuvre on connaît l'artisan quelques rayons de miel cent mètres se trouvèrent des frelons les réclamèrent des abeilles s'opposant devant certaines guêpes on traduisit la cause il était malaisé de décider la chose les témoins déposés qu'autour de ces rayons des animaux ailés bourdonnant un peu longs de couleur fort année, et telle que les abeilles Avaient longtemps paru Mais quoi dans les frelons? Ces enseignes étaient pareilles. La guêpe, ne sachant que dire à ses raisons, Fit enquête nouvelle, et pour plus de lumière, Entendit une fourmilière. Le point n'en put être éclairci. De grâce, à quoi bon tout ceci? Dit une abeille fort prudente. Depuis tantôt six mois, que la cause est pendante, nous voici comme au premier jour. Pendant cela, le miel se gâte. Il est temps désormais que le juge se hâte. N'a-t-il point assez léché l'ours Cent ans de contredits et d'interlocutoires et de fatras et de grimoires. Travaillons, les frelons et nous. On verra qui sait faire avec un succès doux des cellules si bien bâties. Le refus des frelons fit voir que cet art passait leur savoir et la guêpe adjugea le miel à leur partie. Plus à Dieu qu'on régla ainsi tous les procès, que des Turcs en cela l'ont suivi la méthode. Le simple sens commun nous tiendrait lieu de code. Il ne faudrait point tant de frais. Au lieu qu'on nous mange, on nous gruge, on nous mine par des longueurs, on fait tant, à la fin, que l'huître est pour le juge, les écailles pour les plaideurs. Fable de Jean de la Fontaine Livre I lu par équilibre, livre audio.